gêne pas si je mets un peu de musique? Non, mais on peut y aller là. C'est parti. Vous êtes sûr que je vous laisse ici? Sûr. Effectivement. Bon ben merci pour votre coopération. Dites-moi, est-ce que vous auriez vu mon petit passage dans la vidéo de Thibaut InShape? Bon, si je vous avais déjà vu quelque part, je m'en souviendrais. Hey, salut jeune Spartiate, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Impec. Toi qui regardes cette vidéo, tu as peut-être vu mon évolution dans la vidéo de Thibaut InShape, je réagis à vos transformations. Si comme Stallone tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder et à laisser un pouce bleu énorme et sec pour Thibaut. Comme Thibaut l'explique dans cette vidéo, je suis un jeune Spartiate, né avec le syndrome de Poland. Un petit handicap physique qui m'a privé de mon pec droit. T'imagines le bordel quand c'est le jour du pec? Ne cherche pas d'excuses, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Je te rassure, j'arrive à me débrouiller sur le développé couché, même si, bien sûr, je mets les poids beaucoup moins lourds que si j'avais deux pecs, mais je t'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Alors il y a une question qui m'est souvent revenue, c'est comment est-ce que j'ai contacté Thibaut InShape? Il y a plusieurs mois sur Facebook, il a publié le post suivant. Damn, il est l'heure du bilan. Mettez en commentaire vos photos de transformation et voyons voir laquelle est la plus impressionnante. Hashtag TeamShape. Et là, pour la première fois, j'ai posté une photo de mon évolution, qui est passée plutôt inaperçue dans la masse de commentaires. Puis je suis allé me promener au calme, c'était une journée comme les autres. Une journée comme les autres, jusqu'à ce que je reçoive une invitation de Thibaut InShape. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête, comme ça.
Apparemment, mon commentaire n'est pas passé inaperçu pour Thibaut. Franchement, au début j'ai cru que c'était un fake. Et je crois que j'ai toujours pas réalisé la chance que j'ai d'avoir reçu un message qui commence par « Damn Kevin Trax, c'est Thibaut Inchain. » C'est juste dingue. Après, comme un fourbe, j'ai rien dit à personne. J'ai gardé ça pour moi, pour faire une surprise à mes proches. Franchement, des vidéos comme ça, c'est le top. Depuis, il y a eu la vidéo sur l'anorexie, et je voulais dire un grand bravo pour toutes ces transformations. Ces personnes sont vraiment des exemples à suivre. Moi, il me manque un pec. J'y peux rien, il faut l'accepter. Maintenant, je peux me permettre de déconner à ce sujet. D'ailleurs, j'y pense, il y a peut-être une solution pour avoir le super combo tout pec. C'est parti. Alors voilà, Thibaut, je suis devant Carrefour, aka le temple de la protéine. Et je vais voir si je peux remédier à ce problème de pec. En plus, on est lundi, et lundi c'est jour des pecs. Petite parenthèse pour FKan de la chaîne From Human to God. T'as Vanessa au rayon shampoing. C'est un mythe. Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver des pecs, s'il vous plaît? Et à mon avis, c'est des achats de l'UL. D'accord. C'est juste à droite, là, au fond du rayon, je vous recherche. D'accord, je vous remercie. Et voilà les pecs. Alors nous avons... Le pec destructeur de graisse pour descendre en dessous des 10% de body fat. Le pec anti-odeur à prendre après l'entraînement quand t'as fait une séance de chacal. Et enfin, le pec expert dégraissage pour la sèche ultime. Quelques gouttes suffisent, ne dépassez pas les doses recommandées, mangez 5 fruits et légumes par jour, demandez avis à votre médecin avant utilisation. Et moi, je vais prendre le destructeur de graisse car j'en ai bien besoin en ce moment. Et lundi, c'est le jour des pecs. C'est ça. Non. Merci pareillement, bonne soirée. Et voilà Thibaut, grâce à toi, j'ai pris du pec. J'en ai même pris deux. Jeune Spartiate, cette vidéo touche à sa fin. J'ai déjà eu plusieurs questions sur mon handicap auxquelles je répondrai dans une autre vidéo. Alors si tu en as, profites-en, n'hésite pas, note-la dans les commentaires. Et suis-moi sur Facebook, Instagram, Twitter. Donne-toi la salle, casse-toi la salle, tue. Et le meilleur, boum! Et attends. Tu avais pas dit que tu essaierais de ne pas plagier les autres youtubeurs? Si, mais... T'as pas quelque chose de plus personnel? Je sais pas, moi, c'est déjà tout pris. Donne-toi la salle, gardez la pêche. Non. Il faut un truc un peu plus warrior. Tu t'es pas laissé pousser cette barbe de spartiate pour rien. J'ai peut-être une idée. This is Sparta!